Buenos días, señoritas. Je sais pas si c'est du bon espagnol. Si ce n'est pas, je suis désolé. C'est normal, je ne connais pas l'espagnol. Salut tout le monde, ça va? Moi, ça va bien, comme d'habitude. Nouvel épisode de The Vanishing of Ethan Carter. Là, on continue par là. C'est là que notre histoire se continue. Yeah, baby. Je retiens ça. Enlève-lui. Non, pas besoin. N'est pas besoin. Il faut que je m'en vienne ici aussi. Dans le fond, l'autre fois, tu sais, la bobite qui m'a sauté dans la face, le zombie qui m'a surpris, ça a l'air qu'il ne tue pas. Il fait juste te téléporter au début du. Au début. Wow. Au début du labyrinthe. Parce que c'est un labyrinthe qui est en bas là. Il y a cinq corps qu'il faut que je trouve pour avoir les symboles pour pouvoir ouvrir une porte dans la pièce principale. Que je n'ai pas vue. Je ne sais pas c'est quoi le mot de passe. Fait qu'il va falloir trouver les cinq corps. Puis pendant que je cherche les cinq corps, on va aller avec les commentaires de cette semaine. Numéro 1. Blade 34. C'est vrai, je vous avais dit, posez-moi des questions. Si tu gagnerais au Lotomax, mettons que le gros lot est 50 millions. Waouh, ça, j'aimerais. Toi qui aimes les trucks, pick-up, les camionnettes, quelle marque tu choisirais? Honnêtement, j'ai ma première camionnette que j'ai jamais eue, qui est un Ford Ranger. Et je crois que je resterai avec Ford. Je suis très satisfait. Je suis surpris du produit. J'aime le feeling. J'ai toujours eu pas mal de voitures japonaises. Puis là, j'ai une voiture américaine. Puis je trouve que le style américain va plus au style que je suis habitué. On est des Nord-Américains après tout, même si on est au Québec puis on parle français. On a une très 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 grande influence américaine. Je sais pas, ça va bien. Fait que je pense que j'irais juste me chercher peut-être un F-350, quelque chose comme ça. Ou peut-être que je resterais petit, je prendrais un petit truck. 50 millions, moi je suis quelqu'un d'assez simple. Je pense que je prendrais juste le truck que j'ai là, puis je le modifierais, je le ferais modifier. Des plus gros tires, des roll bars, un roll cage, des grosses lumières à brume sur le toit, mettre un treuil en avant, quelque chose comme ça, je ferais. Tu sais, je pense que c'est plus ça que je ferais. C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez ou quelque chose, mais moi je suis quelqu'un de simple. 50 millions, je partirais pas fou le dépenser à droite puis à gauche. Je m'achèterais une bébelle, je jouerais avec jusqu'à temps que je me tanne, puis après ça j'irais m'acheter une autre bébelle. Fait que mon truck, ça serait un peu ça. Gagner 50 millions, on achèterait une nouvelle maison, ça c'est sûr, comme la plupart du monde, mais quelque chose de petit, simple. Plus un grand terrain qu'une grosse maison, c'est plus mon style. Aller vivre en campagne, définitivement, grand terrain, que je puisse m'amuser avec des quatre roues, des affaires comme ça. Mais pas rien de complexe, comme camion, je resterais avec Ford, honnêtement. Fait que c'est ça, y a Zirage qui me demande. Un autre sport que le hockey que tu aimes bien? Aucun. Par là, ce que je veux dire, si c'est regarder comme le hockey, c'est le regarder. Je haïssais pas jouer quand j'étais plus jeune, mais là, j'ai vraiment pas la forme physique pour jouer. Fait que j'aime bien regarder le hockey. Un autre sport que j'aime regarder, aucun. J'aime pas regarder d'autres sports que le hockey, je vais être parfaitement honnête avec vous. Mais j'aime bien et j'ai joué pendant longtemps. J'ai joué au badminton que j'adorais. Puis si j'avais l'occasion, je continuerais à jouer, mais là, j'ai pas l'occasion, ce que je. Avant, je restais en campagne, puis on pouvait louer un terrain dans le gymnase de l'école où ce que je restais pour 1 $, puis louer une raquette pour 1 $. Fait que moi et mes cousins puis mes oncles, on allait jouer souvent. Là, en ville, on peut jouer, on peut louer. On a des terrains gratuits si on achète la carte de la ville, mais faut que tu attendes en file pour jouer parce que c'est tellement de monde. Fait que j'aimerais ça. Si je retourne en campagne, je vais probablement me remettre à jouer parce que c'est pas mal plus. Pas mal moins dispendieux, puis il y a pas mal moins de monde. Simon Boudreau, tu imites bien les personnages. Merci. Je pense qu'il était sarcastique pour là. Mégazip qui me demande, tu peux avoir un seul pouvoir, c'est quoi? Honnêtement, je pense que je suis traditionnel là-dessus, ça serait, moi, invisibilité. Je pense que ce serait mon pouvoir préféré. Je préfère, tu t'en vas invisible, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'abuser un peu. Je pense que j'aurais beaucoup de fun avec ça. Juste faire des blagues au monde, ça serait merveilleux d'être invisible. Ah, j'aurais tellement de plaisir. Fait que je pense que ce serait ça, juste invisibilité, pas la force physique, pas ces affaires-là. Juste invisible. Je pourrais me mettre riche. Bon, ici, faut faire attention. Il y a le zombie qui va me sauter au visage. Ok, ça c'est une carte.
Ok, là je suis probablement où est-ce que le X rouge. Vous êtes ici. Fait que ça, c'était tous les commentaires. Merci pour vos questions, les boys et les girls, s'il y avait des girls. Bon, ça c'est la carte, comme je dis, là il y a une grosse pièce, ça doit être là, la pièce principale où c'est qu'il faut que je rentre le code que je trouve en trouvant les 5 corps. Je pense que je vais aller... Technique, oups, tourner tout le temps à gauche. Là, le zombie, supposé qu'on l'entend. Puis quand on l'entend, faut juste pas le regarder ou je sais pas trop. On va voir comment ça fonctionne. Il est pas toujours à la même place. Oh, il s'en vient. Ouais, c'est lui. Ah, vite, pas qu'il me voie. Non, je pense qu'il s'en vient. Ça, je devrais être safe, n'est-ce pas? Ouais, je pense que oui. Y avait-tu quelque chose à lire? Oh, je l'ai déjà lu, je pense. Ouais, oh, je l'ai lu l'autre fois. Ok. Non, je veux pas te relire. Va-t'en. Reste sur le mur. Alright. Allons vers là. Ouais. Fait que quand j'entends le zombie, faut juste que je me cache. Puis, il fait noir. Puis, j'aime pas ça. Pas parce que ça me fait peur, parce que je vois rien. Puis, ça me fatigue. Ça, je pense que c'est juste un cul-de-sac. On continue. Hello? Ok. Là, je vais toujours tourner à gauche. Jusqu'à temps que je revienne au point de départ. Ça, c'est un cul-de-sac. Je suppose que oui. Désolé si c'est sombre, je ne peux rien faire. Du moins, je crois pas. On va aller voir. Je peux peut-être monter le gamma, il y a peut-être quelque chose... Field of view, je peux monter le brightness. J'aurais dû faire ça bien avant, hein. Quand je vais le mettre jusque là. Puis on va voir si ça vous aide ou si ça aide pour les vidéos YouTube. Ça a l'air un peu mieux. Là j'arrive de où moi? J'arrive de là. Ok. On tourne à gauche, comme j'ai dit, on tourne toujours à gauche. Comme ça on va faire le tour. Dum-dum-dum. Oui, petit corps. Ah, je pense qu'il y en a un là. Ça semblerait être ça. Là, ça va me donner un indice, c'est ça? Et là, où tu t'en vas? Là? On va aller voir ce que ça m'amène. Est-ce que ça m'amène à quelque part, je pense? On va le suivre. Allez, petite lumière. Montre-moi le chemin. Tu nages bien. Comme une... telle une truite dans une rivière. Ah, le poète en moi est venu montrer son doux visage. Ok, je me ferme. Ok. Ah, je vais-tu monter en haut là pour rien, moi? Ah, quelque chose à lire ici. Je pense qu'il y a un cadre là. He's not dead. Ok, on va le lire en français. Il est en anglais. Pourquoi le texte est en anglais? Je n'ai pas changé les options. Je suis resté en... Bon, il est revenu en anglais. Bizarre, hein? Steven. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai juste option anglais ou... espagnol... français. Bon, je sais pas pourquoi il était revenu en anglais, mais là, c'est correct. Terminé, on reprend. On lit. N'est pas mort ce qui a jamais... N'est pas mort ce qui à jamais dort. Le dieu des airs ne peut être mort. Nous ouvrons les portes des âges. Ses yeux de gardien depuis longtemps sont de glace. Le nom de notre dieu, notre vérité, notre clé. Il est ce qu'il est, il ne devrait pas exister. C'est tellement instructif. Rien de bon en arrière. Oups, je peux pas lire. On remet ça là. Bonjour monsieur.
Je pense que c'est un sans-abri. Y a-t-il une torche? Je peux mettre des sous dedans pour t'aider. Toto, tu t'en vas en haut, je suppose. Oh! Je suppose que c'est ça la porte. On va aller faire un petit tour en haut. On va aller voir ce que ça a l'air. Après ça, on va aller trouver les trois corps qui me laissaient trouver. Il y en a peut-être un en haut là. Intuition. Manipuler le portail. Oh, ok. Orienté. Ok, je comprends. Là, faut juste que je trouve les bons symboles à mettre au bon endroit. Ok, c'est beau. Quitter. Ok, eux autres, ils viennent me dire où est-ce qu'ils vont les symboles. Ok. Bon, ben, on va aller trouver les autres corps. Pour qu'ils nous donnent leur indice. Fait que le prochain corps, je suivrai pas la petite lumière. Je vais aller m'en laisser s'en venir par ici. D'elle-même, elle n'a pas besoin de mon aide pour le reconduire. Hello? Corps? Sors de ce corps. Satan, sors de ce corps. Satan, sors de ce corps. Satan, l'aura ce corps. 10 points à celui qui peut me dire d'où vient cette référence. C'est-tu un autre? Ça doit être un autre. Ah oui, le corps disparaît donc. C'est nécessairement un corps que je n'avais pas trouvé. Là, j'espère si le mineur il me pogne, le zombie affreux il me pogne, que je ne retourne pas au début. Il faut. Oh, jeez. Ok. Hello? Non? Je suis pas là. Ok, je pense qu'il est parti. C'est quoi que je disais? Ah, c'est pas grave. Si c'est important, ça va me revenir. Ça ne devait pas être important. Moi, j'aurais mis un corps, là. Ça aurait été plus facile pour moi. Ok, là. Ah! Et voilà! Salut mon vieux! Fait qu'il m'en reste juste un à trouver. Sweet! Après, on retourne à la pièce, on résout l'énigme. Oh, jeez. Ok, il s'en vient. Par là, vite. Vous voulez être mon ami? On peut être ami? Hein? Moi, je veux être votre ami. Comment ça va un ami zombie? Il semble que tout le monde me trouverait cool. C'était quoi ce bruit-là? C'est-tu le zombie? Tu sais, il y a comme quelque chose que je vais aller voir. On va aller voir l'affaire que je vais aller voir. C'est une. Ok. Je suis ici, c'est-à-dire si je tourne à droite, je m'en vais là. Je veux continuer tout droit, moi. J'ai un sentiment que le corps, il va être quelque part ici. Je pense que c'est une section que je n'ai pas explorée. Ok, il y a des. Ok, il y a des cartes un peu partout. Là. Ok, je suis là. C'est pas ce que je pensais, mais. Moi, je vais aller là. Là, ça devrait tourner à droite. Ok, c'est ça. Je pense que c'est ici que j'ai pas été. Ou peut-être que oui. Jeez. Il faut faire le saut. Hi. Va-t'en! Y'a rien à voir ici. Je suis dangereux. Si tu veux pas mourir, si tu veux pas devenir vivant,
C'est quoi qui arrive quand on tue un zombie, il devient vivant? Vu que c'est un mort vivant? Ok, je veux le dernier corps, là, you. Il est pas ici, définitivement. Là, je suis là. Ok, on va continuer par là. Ok, là, j'ai vu... Ok, il y avait un corps, un cadavre, là. Bon, je vais aller voir par là. Jesus Christ. On peut-tu se promener en paix? Hein? Moi, je t'entends pas. Pourquoi tu es mort? Ah, ok, le son, je pense, c'est quand il despawn. Ah. Là, je pense... Ok, j'ai besoin d'une map. Ensuite, il y avait un corps, on l'a déjà passé. Mm-hmm. Ok, je vais aller... On va courir comme un perdu. D'un bord puis de l'autre, puis on finit par le trouver. Ok, regardez bien ce que je vais faire. On va vous épargner ça. Je vais trouver le dernier corps, puis je vous ramène, ok? Bon, je viens juste de peser sur pause. Il est ici, le dernier corps? Oh, il examine. Puis là, il nous reste juste à retourner à la pièce principale, qui est... Par ici. Là, j'arrive de même. Faut que je tourne là. Je m'en vais là. Ok. Donc, on va là. On tourne à droite. Après ça, encore à droite. Et on est arrivé. Ici. Ouais. On s'en va en haut. Là, il devrait y avoir 5 fantômes qui nous disent 5 positions pour nous aider pour les 6 symboles. Y a-tu 5 corps ou 6? Il me semble que j'ai lu qu'il y avait 5 corps. On va aller voir. De toute façon, si on en a 5, le 6e, on va pouvoir le deviner. Wow. Ok. Étoile. Si je fais ça de même. Ok. Le triangle en bas, on voit le cercle. Le dernier en bas, le plus petit, c'est un paquet de triangles avec des symboles à côté. Fait que triangle, c'est étoile là-bas, qui est un genre de... Je peux-tu zoomer? Ouais. Un genre de rond ou... ça? Ça semble être ça, on va aller que ça. Deuxième, qui est le carré, carré, tué ou carré, c'est comme un Z. Oups. Comme un Z, ça, ça a l'air d'un... comme un Z, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est en plein ça. Le rond, le rond. T'es où? T'es toi le rond, un autre Z. C'est le même Z que pour le carré. Ok. On va pour le Z. Comme ça. L'étoile de Judée. Qui est comme un... Ok, un trèfle avec... Ok. Je me comprends. C'est ça? Ça? Ouais, ça devrait être ça. Peut-être pas. C'est celle-là, oui, qu'on voit le trèfle en bas. Ok, parfait. Next! Un losange. Losange, c'est comme un... ça avec un ça dessus. C'est clair? Ah, ouais, celle-là. Et le dernier, qui est un petit triangle. C'est encore triangle, faut que je refasse la même chose que le triangle qui est le petit petite affaire en rond. Ça. Non? Ça marche pas? Merde. C'est quoi j'ai manqué? Fait que j'ai dit le premier, c'était le petit rond. Oups. Que je vais faire. Ouais, c'est vraiment celle-là. Le Z, Z. Ça, c'est cette affaire-là, ouais.
peut-être. Attends un peu. On va. Ça semble être le bon rond, à moins qu'il y en ait un autre, ça. Non, c'est comme un petit spring. Oh! Ok. On l'a découvert, ça a l'air. C'est lui qui était pas correct. Ah, oh, c'est bon. Tentacule. Ok. Je peux-tu m'éloigner de tentacule? On s'entend-tu que j'aime pas ça, le tentacule? Ben, enfin. C'est peut-être gentil, mais. Oh, où suis-je? Wow, qu'est-ce que c'est ça? Je me noie pas? Ah, ça doit être une histoire à Eaton. Ok, bon, ben on va trouver... Wow, je peux pas aller vite. Oh, il y a un papier ici. Lire. Le Necronomicon Enochier. Les mineurs de fer l'avaient enfin trouvé, mais tout ne voulait pas effectuer son rituel d'invocation au risque de déranger Gnaï, la créature marine. Un mineur s'aperçut que le rituel libérait le déluge de Gnaï sur ce monde. Ainsi, le mineur n'eut d'autre choix que de poignarder les autres mineurs avec des tessons magiques. Deltdown. En réponse, Gnaï jeta un sort au mineur qui est désormais dans les mines, condamné à empêcher les autres d'invoquer la créature marine qui inonderait le monde pour toujours. Ethan, Ethan, j'ai dit de rester dehors. Bon sang, regarde, c'est dangereux là-dedans. Je lirai ton histoire plus tard, d'accord? Et s'il te plaît, ne dis pas à ta mère que je suis là. C'est compris? Allez, file maintenant. Rentre à la maison. Ok. Yeah, ça sauvegarde. Lire. Qu'est-ce que ça dit, ça? Demande d'éclaircissement. Cher M. Carter, Monsieur, Madame Carter, le Bureau des brevets des États-Unis a bien reçu votre lettre du 27 janvier 1973. Mon Dieu, j'avais juste un an. Demandant des explications supplémentaires. Quant au refus du bureau concernant la demande de brevet 527F2D récemment envoyée. Comme nous vous l'avons expliqué dans notre précédent courrier, le brevet a été rejeté car il empiète sur un brevet déjà déposé. Nous avons enregistré une cinquantaine de demandes de brevets de votre part durant les 16 derniers mois. Aucune n'a été acceptée et vous avez discuté ces décisions à chaque fois. Monsieur Carter, nous allons désormais classer administrativement ces demandes ainsi que les demandes futures sans suite. Cordialement, James Mackey, directeur administratif. Fou Red. C'est tellement intéressant. Ah, ça, c'est l'histoire, puis ça, c'est quoi? Dale, vire ton bordel de notre cave, fous-moi tout ça en l'air, j'en ai ras-le-bol de marcher sur tes affaires de loser chaque fois que je vais à la machine à laver. Je rigole pas, tu me dégages tout ça ou j'y mets le feu. Ok. C'est sérieux? Hein? Je peux pas rentrer là. C'est quoi qu'il y a par là? Ah, c'est plein de papier l'autre bord. Bon. Mais là, si je coupe cela, ça va faire un épisode court, hein? Donne-moi des secondes, je vais aller voir combien de temps ça prendrait faire à peu près la prochaine énigme. Puis j'en reviens. Non, on n'aura pas le temps. Si l'autre énigme va être relativement longue, ça ferait un épisode trop long. Mais de la manière que ça s'en va, probablement vendredi qui s'en vient, ça va être le dernier épisode, je crois. Il reste juste... Oh, ça a comme gelé, là, 2 secondes. C'était bizarre. Je sais pas si l'enregistrement vient un jour. On va continuer comme si l'enregistrement était correct. OK. Comme je dis, vendredi, ça semble être le dernier épisode parce que ce que je peux voir dans le walkthrough, il reste juste 2 énigmes. Fait que là, cet épisode-là va sortir le lundi. Donc, it's a lagging. Donc, mercredi, je vais avoir une énigme. Vendredi, la dernière énigme. Conclusion, probablement. On va voir ça. C'est ce que je prédis, mais on sait jamais. Peut-être que je me trompe. Parce que c'est la première fois de ma vie que je me trompe, mais... À chaque fois que je me trompe, je dis que c'est la première fois que je me trompe.
J'ai pas de mémoire. C'est le fun de parler de mémoire. Tu oublies que tu t'es déjà trompé, fait que tu penses que chaque fois, c'est la première fois que tu te trompes. Ah, c'est génial. Question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour question de la semaine qui serait intriguant? C'est quoi le plus beau voyage que j'ai fait? J'ai parlé de voyage l'autre fois, que c'était quoi votre voyage de rêve, mais on va parler de voyage passé. C'est quoi votre voyage que vous avez fait, le plus beau voyage que vous avez fait? Puis après ça, moi, je vais vous dire le mien. C'est-tu, on s'entend-tu là-dessus? Vous me dites le vôtre, je vous dis le mien. Fait que c'est ça, je vais attendre ça dans les commentaires. Fait que si vous avez apprécié l'épisode de Saint-Gem, bien entendu, commentaire, hein? Voyage passé, un voyage que vous avez fait qui était votre préféré, dites-moi-le. Ne vous gênez pas, puis je vais vous dire le mien, comme j'ai dit tantôt. Je me répète ben trop, moi. Puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que je vous vois la prochaine fois, là. Bye bye.